Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la circulation sanguine. Commençons par la structure et la fonction des vaisseaux sanguins. Remarquons sur l'image en présence le sens de la circulation sanguine. Donc le sang en provenance du cœur entre au niveau des artères. Il se dirige ensuite vers les artérioles, puis les capillaires, revient vers le cœur par les vénules et finalement par les veines. Observons sur cette image que la taille des deux principaux vaisseaux, soit les artères et les veines, sont représentées de façon proportionnelle, mais dans les membres au niveau du corps, il est bon de savoir que, en proportion, les veines sont généralement plus grosses que les artères, donc elles possèdent un diamètre plus grand, ce qui fait que la pression à l'intérieur des veines est plus faible que celle au niveau des artères. Voyons maintenant au niveau de la structure de ces vaisseaux. Donc, premièrement, les cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins sont constituées d'un endothélium, de cellules endothéliales. Ainsi, peu importe les vaisseaux sanguins, des artères, les artérioles, capillaires, vénules et veines, tout l'intérieur des vaisseaux sont constitués de cet endothélium, qui est constitué d'une mince couche de cellules. Cette mince couche de cellules repose sur une membrane basale représentée en un gros trait large, donc qui sont des protéines qui servent justement à soutenir l'endothélium, donc à lui donner une résistance également. Ensuite, il y a une couche de cellules musculaires qu'on appelle des muscles lisses, donc qui sont sous le contrôle du système nerveux autonome. Ces muscles lisses entourent l'endothélium et la membrane basale, et ces muscles lisses peuvent se contracter et se décontracter avec les influx nerveux. Ils servent donc à modifier le diamètre des vaisseaux sanguins. Cette modification du diamètre modifie la résistance à l'écoulement du sang, et donc la pression artérielle est modifiée par le diamètre des vaisseaux. Et par-dessus cette couche de muscles lisses, il y a du tissu conjonctif, fait principalement de collagène, qui donne la résistance des vaisseaux sanguins. Il est à noter que ces différentes couches qui vous sont présentées sont présentes dans certains vaisseaux, sont absentes dans d'autres, et ne sont pas en même proportion. Ainsi, dans les artères, il y a beaucoup plus de muscles lisses qu'au niveau des veines, et le tissu conjonctif est généralement aussi plus résistant, plus épais au niveau des artères que des veines, ce qui fait que les veines sont plus résistantes, peuvent soutenir des pressions sanguines beaucoup plus importantes que les veines. Ce qui fait également que les artères restent ouvertes même en absence de liquide qui circule à l'intérieur, l'artère garde sa forme, alors qu'une veine a tendance à s'aplatir dès qu'elle se vide de son contenu, donc en lien avec les différentes couches qui sont présentes. Il est à noter qu'il y a une structure particulière au niveau des veines, ce sont les valvules, des structures qui se prolongent à l'intérieur du vaisseau sanguin, ce que l'on appelle la lumière du vaisseau, et qui empêche le reflux du sang. La valvule empêche donc le sang de retourner vers les vénules, ce qui fait qu'avec la circulation sanguine, le sang dans les veines est dirigé vers le cœur. Il est à noter qu'au niveau des capillaires sanguins, il y a absence des muscles lisses et du tissu conjonctif. Il y a donc seulement l'endothélium et la membrane basale, ce qui fait que la paroi du capillaire est très mince, ce qui permet aux molécules de traverser facilement et plus rapidement. Donc, les capillaires sont les lieux d'échange. Et il est à noter qu'au niveau de l'endothélium, il y a la présence de pores et de fenestration, donc d'espace entre les cellules endothéliales, qui permettent aux différentes molécules présentes au niveau du plasma d'entrer et de sortir des capillaires, que ce soit au niveau des solutés ou des solvants.
Merci.